to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Non mais c'est pour ça, ça marche pas sur l'écran là. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Hédin, directeur des programmes d'Osons la France et je vais être avec vous sur scène jusqu'à 20h. Je ne sais pas dans quel état je finirai, mais ça c'est mon problème. Et cher Aude de Thuin, vous qui avez décidé de fonder ce forum il y a 2 ans, je voudrais que vous expliquiez à toute la nombreuse assistance beaucoup plus matinale qu'à Paris le 5 avril, pourquoi nous sommes là et ce qui nous attend aujourd'hui. Bonjour, on nous avait dit qu'à Lyon il y avait le quart d'heure lyonnais, et finalement pas tant que ça. Donc, nous avons quelques minutes de retard, mais peu, et vous êtes nombreux ce matin, et je suis ravie de vous accueillir ici, ravie de vous accueillir à la CCI, et qui est un endroit que nous avons choisi, même s'il avait quelques petits problèmes techniques, nous l'avons choisi pour la beauté du lieu et pour sa représentation également dans la ville, car nous avions des endroits plus contemporains, plus modernes, plus mieux équipés, qui nous étaient proposés, mais nous avons fait le choix de l'histoire. Parce que de l'histoire est la France aujourd'hui et qu'on ne peut pas faire la séparation entre les deux. Je suis donc ravie de vous voir ici ce matin, ravie et pas surprise, car vous Lyonnais, comme nous, à Osons la France, vous osez la France. Vous croyez en elle et vous êtes fiers d'elle. Comme nous, vous devez en avoir assez parlé, en avoir assez d'entendre parler de la France figée, en déclin. Et vous comprendrez pourquoi j'ai décidé il y a 2 ans de créer les forums Osons la France pour mettre en valeur les industriels, les entrepreneurs, les créateurs de tous horizons qui font prospérer et rayonner notre pays. Les sondages nous disent que c'est le goût d'entreprendre et la volonté de s'épanouir bien plus que les retombées financières qui motivent les entrepreneurs. En ce qui me concerne, je dirais qu'il témoigne du génie intemporel de la France, tout comme les 35 speakers que nous avons réunis aujourd'hui. Vous n'en connaissez probablement qu'un tout petit nombre, car les forums Osons la France sont conçus pour mettre en lumière ces talents qui peuplent la France, mais dont nous n'entendons quasiment jamais parler. Ces forums se veulent à l'opposé des rassemblements sectoriels, cloisonnés, à la limite de la consanguinité, qui tourne en boucle avec encore et toujours les mêmes têtes d'affiche. Hier, on parlait des 200 familles. Aujourd'hui, ce n'est plus cela, mais c'est toujours les mêmes 100 têtes qui prennent la parole partout. Nous, en 2 ans, nous avons fait émerger 300 talents inconnus qui tous ont osé et nous continuerons. À Osons la France, nous montrons la France dans sa diversité et sa richesse. Ainsi, vous ne verrez pas ce succès des 2 speakers faisant le même métier, ayant le même âge, le même diplôme, appartenant au même cercle ou issus des mêmes quartiers. Mais tous partagent la même volonté de déployer leurs talents, la même envie d'aller de l'avant, le même goût de la France. Et si vous, vous êtes ici avec nous aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous partagez leur enthousiasme, c'est que vous aussi, vous croyez en une France qui a toutes ses chances. Notre optimisme,
ne signifie pas que nous ne soyons pas lucides. La France se trouve dans une situation critique, nous en sommes tous conscients. La crise est profonde, elle n'est pas seulement économique, mais morale. À un moment où nous avons besoin d'un choc de confiance, comment ne pas regretter toutes les affaires qui bousculent notre classe politique et ébranlent l'image de la France, image déjà détériorée par un French bashing très à la mode. Face aux mutations actuelles, la France a besoin de cohésion et c'est une prise de conscience collective et consensuelle qui doit être suscitée par le monde politique, mais par nous tous ici, société civile. Nous avons un rôle fondamental à jouer pour que nous puissions tous être fiers de la personnalité économique de notre pays et pourquoi pas devenir patriotique. La France en a besoin et c'est un des axes majeurs pour nous affirmer dans la mondialisation. Nous assistons à une redistribution des cartes sur la planète entière. Fini la bipolarisation, fini la domination du Nord par le Sud. La croissance s'est déplacée dans les pays émergents, l'économie est déjà désormais globale et effrénée, la mondialisation de la production et des échanges est une réalité impossible à éviter. Et tant mieux, ai-je envie de dire. Car la France a des avantages compétitifs majeurs. Une énergie bon marché, une main-d'œuvre formidable et des infrastructures excellentes. Les Gaulois sont dotés d'une grande ingéniosité, disait de nous Jules César. Et 20 siècles plus tard, cela n'a pas changé. Le tempérament français est un savant mélange de raisonnement, d'indépendance d'esprit, de débrouillardise qui provoque une inventivité hors pair. La créativité, c'est notre fort, et nous ne le savons même pas. Alors que nous nous extasions devant l'inventivité d'Apple, les Américains, eux, vantent la capacité d'innovation de Pernod Ricard, qui occupe dans le magazine Forbes la 15e place des entreprises les plus innovantes. Devant qui ? Ne devinerai jamais. Google et Apple. Le monde nous envie cette French touch et ce French flair. Je viens d'apprendre le mot, un mot de rugby, n'est-ce pas ? Ce French flair, synonyme d'excellence. À l'heure où la contrefaçon fait des ravages, notons que notre ADN français n'est pas copiable et que partout où l'on cherche à innover, à sortir des codes, à prendre avec élégance et raffinement, on fait appel à des créateurs ou des patrons français. Et là encore, même si nous n'avons pas conscience que l'excellence française fait partie de notre patrimoine, un patrimoine ô combien vivant, le reste du monde le sait. 12 entreprises françaises figurent dans le Yuan Award, l'équivalent chinois du classement Fortune 500. Essilor et GDF Suez sont même dans les 10 premières. C'est tout simplement remarquable au vu de la taille de notre pays. Rendez-vous compte, nous ne représentons que 1% de la population mondiale sur un territoire qui n'atteint même pas un demi pour cent des terres du globe. Et pourtant, notre culture et notre art de vivre sont enviés dans le monde entier. En nombre, nous pesons bien peu face à des géants comme les États-Unis ou la Chine, mais sur les plans politiques, économiques, culturels, la France rayonne très loin hors de nos frontières. La voix de la France compte encore aujourd'hui parce que nous faisons vivre l'excellence à la française. Vous tous ici à Lyon, vous tous qui croyez en la France, vous êtes les porteurs de cette voix. Vous ne vous résignez pas face à la mondialisation, vous relevez vos manches, vous imaginez d'autres possibles, vous sortez des sentiers battus, vous mettez en œuvre vos idées, vous vous lancez à la conquête du monde. C'est important, très important, de donner à voir ce visage d'une France lucide et volontaire, une France qui ne plie pas devant les contraintes mondiales, mais en tire profit. Une France qui va de l'avant. Mais tout cela, vous le savez, et vous le mettez en œuvre depuis des années, ici, à Lyon, avec votre maire, Gérard Collomb, entrepreneur et bâtisseur qui libère les énergies du territoire. Vous, Lyonnais, n'avez pas peur des frontières.
Et vous voyez grand à l'exemple de quelques personnalités que je voudrais remercier de leur présence parmi nous aujourd'hui. Alain Mérieux, Bruno Rousset, Bruno Bonnel, mais aussi Florence Poivet et Philippe Hérault, entre autres. Vous êtes des exemples pour les jeunes, des porteurs d'espoir. En vous réinventant, vous leur montrez que le champ des possibles est vaste et que rien n'est perdu d'avance, qu'il faut y croire et foncer. Nous devons rendre notre pays attractif à leurs yeux, pour qu'une fois leur formation ou expérience faite à l'étranger, ils aient envie de revenir chez eux, chez nous. Les jeunes sont notre avenir. Donnons-leur les moyens de développer leur potentiel, de déployer leur énergie et de mettre leurs talents au service de la France. C'est à eux que je veux dédier mon livre « Osons la France », afin de leur prouver par moult exemples qu'il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue, pour reprendre les mots de Victor Hugo. Ou encore que la France regorge de créatifs qui se sont lancés parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Moi, je peux vous le dire que c'est toute ma vie. Je veux qu'ils sachent que leurs aînés se battent pour faire avancer leurs idées, leurs valeurs, leurs projets, leurs entreprises. Je voudrais inciter les jeunes et les moins jeunes à voir grand, à viser haut, à ne pas craindre l'échec, qui est un merveilleux marchepied vers le succès. Je peux en parler aussi. Il faut avoir de l'audace, oser suivre son intuition, donner corps à ses rêves, et surtout ne pas écouter les esprits chagrins, les esprits petits, les esprits sans esprit. Vous tous ici, vous savez de quoi je parle. Vous aussi, vous refusez la résignation, le pessimisme, les « à quoi bon ». Vous savez que les limites et les contraintes ne se présentent que pour être dépassées. Vous savez que les codes doivent être cassés, les dogmes déboulonnés, les tabous brisés pour que souffle un vent nouveau. Vous savez que ce n'est qu'en vainquant sa propre peur que l'on fait de grandes choses. Que la société civile se lève d'un seul corps pour avancer avec confiance dans ce 21e siècle relève de notre responsabilité individuelle et collective. En créant Osons la France, j'ai décidé de contribuer à ce mouvement. Aujourd'hui, pendant 12 heures, nous allons nous ouvrir l'esprit en écoutant ceux et celles qui ont osé, qui osent et qui oseront demain. J'en profite d'ailleurs pour remercier les speakers et d'être nos rôles modèles et nos partenaires financiers importants qui nous permettent de les mettre en lumière. Nous allons nous convaincre que c'est possible, doper notre morale, réinventer notre avenir, oser. En vous voyant tous ici, je me dis que la France a de beaux jours devant elle et que le meilleur est probablement devant nous. Je vous remercie. Je vais laisser Vincent animer cette journée. Une petite anecdote. Vincent est avec nous, il est directeur des programmes d'Osons la France. Et il fait partie de l'équipe après que je l'ai entendu à un forum Osons la France à Lille l'année dernière faire une conférence. Et je l'ai trouvé d'une telle pertinence, d'une telle justesse et justice. Et ce talent que vous devinerez tout au long de la journée, que lorsque le forum s'est terminé, que nous cherchions un responsable des programmes, j'ai fait appel à lui et aujourd'hui, il exerce différents métiers. Il est journaliste, il est professeur, il est écrivain et il est directeur des programmes d'Osons la France. Vincent, je vous souhaite une bonne journée. Je vais rester à vos côtés.